En somme, la chambre spéciale finit de confirmer que Maurice est en pleinement souveraineté dans l'archipel des Chagos. Donc, c'est une première étape dans sa caisse-là qui finit de traverser. Et à ce terme, l'ITLOS, l'IBSEP procède à délimitation des frontières maritimes entre Maurice et Maldives. Et donc là, quand nous étions à ce stade, nous au stade de soumettre les positions donc des deux pays. Et donc Maurice il prépare sa soumission, donc la question de fond de délimitation de territoire maritime, et Maurice fin soumettre ce premier mémorial le 25 mai 2021. Et que Maldives fin soumettre ce counter-mémorial le 25 novembre 2021. Astère, Maurice vise à soumettre d'ici le 14 avril 2022 ce reply, et après ça les là Maldives pour faire ce man commentaire avant qu'il tribunal pour capable écoute l'affaire même et éventuellement bien sûr rendre un jugement. Alors dans le cadre de nos reply, Maurice peut faire un survey à Blenheim Reef, qui trouve au nord de l'archipel des Chagos et qui fait aussi partie de l'archipel. Ce survey-là est bien important parce qu'il est capable d'aider ITLOS dans l'exercice de délimitation de frontières maritimes entre Maurice et Maldives. Donc, départ pour faire sa survey là, il faut commencer à partir demain et il faut terminer vers le 22 février 2022. C'est une équipe qui peut diriger par nous l'ambassadeur Kunjal, qui nous représente en permanent à New York et qui comprend aussi un avocat étranger, un technicien du gouvernement, un scientifique qui a l'expertise dans ce domaine-là, ainsi que nos camarades Olivier Bancou et quelques Chagossiens qui connaissent Blenheim Reef, et quelques journalistes de la presse internationale. En fait, il pour une visite historique, car c'est la première fois depuis l'indépendance de nos pays, en tant que pays qui est en souveraineté, l'archipel des Chagos, nous sommes capables d'organiser une visite dans sa partie, nos territoires-là. Maintenant, vu la distance entre Maurice et les Chagos, nous t'y demandons Maldives qui laisse nos délégations sortir depuis Côte-Zot, c'est-à-dire NPO dans Maldives, pour les Chagos, parce qu'ils c'est l'endroit qui plie près. Un voyage entre Maldives et Chagos
il prend à peu près une semaine en tout. Malheureusement, sous pression certains pays, Maldives, qui d'ailleurs, lui aussi dit dans son mémorial qu'il n'y pas trouve aucune utilité pour le faire un tel survey, finit impose une condition qui nous considérait totalement inacceptable. Donc, nous finons, malheureusement, nous finons perdre beaucoup de temps parce que Maldives, dans le premier temps, pas même répondre nous pendant un bon bout de temps jusqu'à ce qu'il nous attire l'attention au tribunal. Et avec certaines bonnes conditions qu'ils ont mettées, finalement, nous trouvons qu'ils ont pu faire beaucoup de difficultés. Et donc, nous avons une bonne alternative. Et bien sûr, une première alternative qui nous considérait, c'est sortir depuis Rodrigue pour le Chagos. Mais comme je tout connais, actuellement, malheureusement, on a un côté un cyclone Batiraï qui ne fait que passe contre nous, et on a une dépression qui est dans l'est de l'océan Indien, qui peut influencer les temps. Et bien sûr, nous prend la vie de bateaux qui promènent nos délégations et fin conseiller qui n'est pas capable de sortir Rodrigue dans le temps actuel. Parce qu'il a mer bien démontée. Et bien sûr, nous parler prendre un risque pour des voyages à faire en toute sécurité. Donc, l'autre alternative qui nous fait guetter, c'est au départ des Seychelles, et nous fait une cause avec le président des Seychelles, Wavell Ram Kelawan, qui m'a besoin de dire, fin tout de suite accepter et facilite à ce qui le départ faire depuis Seychelles. Et moi, je suis content de remercier lui particulièrement. Et moi, remercier les autorités seychelloises qui donc peut permettre nous, délégations, pour capables de monter au bateau et prendre notre départ donc aux Seychelles. Poil dans Chagos. Moi, je tout connais depuis qu'il nous fin gagne sa advisory opinion depuis la Cour internationale de justice. À plusieurs reprises, je fin faire déclaration publique et dans le Parlement aussi pour dire qui nous a l'intention pour entreprendre un voyage pour dans l'archipel de Chagos. Et bien sûr, je te rappelle que dans plusieurs occasions, je finis dire que moi-même, moi, j'ai l'intention de faire partie et lead une délégation pareille. Et là, l'occasion de me présenter, bien sûr. Moi-même, je suis bien content. Accompagne nos bons officiers, nos avocats, nos scientifiques. Et surtout, nos frères et sœurs, chagossiens. Malheureusement, si nous sommes sortis depuis Maldives, nous pouvons faire à peu près une semaine aller-retour,
et fini faire servir tout en même temps, inclus. Dit tu pourrais à nous dire une période raisonnable. Malheureusement, 15 jours qui ça pour prendre nous là depuis Seychelles. Et donc pour moi, je reste absent physiquement de Maurice. Les difficile. Donc mon besoin d'azote, l'équerre bien bien lourd. Autant qu'ils m'ont commencé par d'azote, mon grande fierté. Et autant qu'ils m'ont besoin d'azote, qu'ils m'ont bien bien sagrin, qui m'ont même mon papa capable d'aller. Mais mon cas d'azote, mon bien déterminé, qui à l'avenir nous pour entreprendre une autre visite que j'espérais ou capable de faire de manière faire partie de sa voyage. Alors, je me souhaite à nos délégations plein succès, bon travail, bon survey qu'ils ont pu le faire, avec conseil bien sûr. Déjà, nous, ben officier, nous, ben avocat, et qui me dit à toute la population, surtout à nos bonnes sœurs et frères chagossiens, qui c'est un premier pas concret dans l'exercice souveraineté de la République de Maurice, l'eau Chagos, qui nous peut faire.